Yeah.
Merci beaucoup. Quelques mois avant la sortie de Planio Escape, on a découvert cette salle, c'était un concert incroyable, c'était un... En fait, il y a moyen de jouer presque sans oreillettes, sans retour, le son sur le plateau, quasi le même que dans le local de répète, c'est assez fou. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là? C'est un peu court. Aujourd'hui, ça va être très long. La première date à Paris, ça c'était il y a 20 ans du coup, on a joué à l'Européen. Et les gens de la salle qui étaient à l'Européen. Ouais. Wow. Heureusement pas trop, c'était un concert vraiment compliqué. En fait, on est arrivé l'après-midi, c'était notre première date de notre vie à Paris. On était un peu surexcités. Vous savez, quand on vient de Belgique, qu'on monte à Paris. Nous, on était montés à Paris, ouais.
Et on est arrivé à l'européen, on a commencé à installer notre matos. Puis Denis a pris sa batterie, sa caisse claire, commencé à régler 2-3 trucs. Il a un peu tapé sur la caisse claire. Et là, notre ingénieur du son a dit waouh, en fait, il y a le limiteur de la salle qui se déclenche. Quand tu tapes sur ta caisse claire, on n'a encore mis aucun micro. On a encore mis. Et on a fait ah ouais, il doit avoir un problème. Et puis il y a quelqu'un de la salle qui a dit non, non, ici c'est limité à 85 dB pour des problèmes de voisinage. Ah ouais, et on va vraiment devoir jouer comme ça parce que c'est pas possible. Oui, oui, vous allez devoir jouer comme ça. Tous les groupes le font. Puis on a un peu regardé, en fait c'était souvent un mec qui venait guitare-voix ou un spectacle un peu de théâtre. C'était un booking un peu étrange dans cette salle. Et le concert était vraiment dur. Dès que Denis tapait sur sa caisse claire, ça faisait piquer tout le son. Il s'est pas passé pendant la moitié de la chanson, puis il revenait en un coup. Là, on a mis des essuies, on a mis. Il essayait de taper le plus doucement possible. Un grand moment. Tout ça pour vous dire qu'on est vraiment très contents d'être à la ce soir.
Le prochain morceau, c'est un morceau qu'on jouait jamais à l'époque de Frobenius Tudor.
C'est vraiment un de ceux qu'on n'arrive pas à jouer. Pourtant, elle est super, hein. Du coup, là, on y arrive. On n'arrivait pas à trouver le petit feeling, le bon mood, la bonne ambiance. Ouais, go, là, on n'a quand même pas eu le choix. Et le morceau s'appelle Fontainebleau. Strive for life.
Il y a 20 ans, on a fait une très grosse tournée puisque on a eu la chance de sortir notre disque ici en France via Naïve et surtout quelqu'un d'important qui s'appelle Jonathan Gourmel. On en parle souvent chaque fois qu'on revient à Paris. Et c'est vraiment lui qui nous a signé grâce à l'argent de Carla Bruni qui avait sorti son premier disque, qui avait coûté 1000 euros à mon avis, une guitare, une voix, rien d'autre. Et ils ont vendu des camions de ce disque un peu partout dans le monde. Et donc les directeurs artistiques du label Naïve avaient carte blanche pour signer ce qu'ils voulaient. Et Jonathan, il était tombé sur notre album qui était sorti en Belgique 2-3 mois avant. Le manager lui avait envoyé, je sais pas trop comment. Et en fait, ouais, il était à fond sur ce disque. Et donc un jour, on nous a dit, bah ouais, il y a un gros label qui veut sortir le disque en France. C'était génial pour nous. C'est le début de la grande aventure. Je raconte à cette part-là. It's always strange the way I feel. We'll be right back.
On va jouer un morceau que le public nous demande souvent. Pendant longtemps, on n'a plus joué. Parce que pendant longtemps, on n'a plus joué les morceaux du premier album parce qu'on les avait trop joués pendant les tournées du premier album. C'est un peu le problème de sortir un album, d'en avoir qu'un et faire une grosse tournée, c'est que tous les soirs, on peut changer l'ordre, mais on doit quand même jouer les 12 mêmes morceaux. Et maintenant, on prend beaucoup de plaisir à jouer ces morceaux. Et c'est un morceau un peu particulier parce qu'il a d'abord été utilisé dans une version un peu rock'n'roll assez Pixies. Et puis un jour, Rio, dans un grand moment de poésie crépusculaire, en plein Dark Side, en studio, s'est mis à regarder au loin et à jouer un arpège. Waouh! Un arpège, je suis vraiment un peu là. C'est miraculeux, ouais. Neigeait, tu me souviens. Il y avait un ray de lumière sur toi. Tu fumais un peu. Le côté un peu catholique. Non, non, il y a beaucoup de gens qui sont mariés sur ce morceau. Et quelques. Il était un peu utilisé pour quelques enterrements aussi. Deux utilités pour un même morceau, c'est pas mal. De plus en plus. Thank you.
merci du temps des CD, des compact disques dans les années 2000. Il y avait un truc qu'on pouvait faire sur les disques et qu'on venait de faire avec Lio quand on a commencé à faire de la musique. C'est qu'en faisant un jour un disque, on s'était juré qu'on mettrait une chanson cachée sur le disque. On a découvert ça forcément sur les disques de Nirvana, de Nevermind, de Dream Theater. Il y avait des chansons de malades complètement folles qui arrivaient 10 minutes après. Et voilà. C'est ce qu'on appelle ici la chanson cachée, et elle est restée bien cachée pendant 20 ans, parce que ça fait 20 ans qu'on n'a plus joué. Ça s'appelle Joking About My Life.
Merci beaucoup, c'était grandiose, super. On en tire les grands ordres. Merci beaucoup. Jusqu'ici, vous êtes clairement le public le plus chaud de la tournée. Est-ce que vous faites du super aussi hein, Paris, ça te fait quelque chose. Hein. On a 4 dates en Belgique à partir de demain. Donc on va les chauffer pour qu'ils fassent plus de bruit qu'à Paris. Mais peut-être c'est pas aussi si vous continuez à hurler comme ça. On s'est bien fêté les 20 ans de ce disque. C'est un disque qui nous a fait voyager partout dans le monde, on peut carrément dire, et puis plein d'aventures de dingue. Et on avait vraiment envie de venir ici et de fêter cet anniversaire en vous présentant aussi un peu la suite sur laquelle on va en train de travailler. Du coup, on va vous jouer 2 nouveaux morceaux en suivant. Le premier s'appelle... Je vais pas le dire direct, je vais me raccorder d'abord, non. Vite fait voir. Pour la dramaturgie. On travaille pas mal notre dramaturgie. Pour l'instant-là, tu peux leur parler de l'Europe. Le projet européen. Ouais, c'est ça. On vient de Bruxelles. On y croit. On est trop européen. Nous aussi. On travaille aussi encore notre potentiel démagogique. En fait. Mais pas encore. Mais bon, on a des super nouveaux morceaux. T'es accordé, Antoine ? Attention ! Le nom du morceau, donc, Antoine ? Godess. Godess. C'est un mot de vieux. Oh,
seek everywhere. We'll be right back.
Merci beaucoup. On reviendra. Franchement, on reviendra. Ce serait peut-être aussi le moment de, après deux semaines de tournée, de vous présenter notre super équipe technique qui voilà. Il y a Nicolas et Ben et Arthur qui nous aident ici sur scène. Il y a au son Tommy de Snell, il y a Jonas aux lumières, il y a notre ami Olivier qui fait les projections, qui nous a déjà fait il y a 20 ans et qui est revenu, donc un grand merci à lui. Merci aussi notre booking à gauche de la lune, notre label, et on remercie aussi Louasie pour cette sublime première partie. Le truc, c'est qu'à la fin du concert, on reviendra au merchandising.
après avoir essuyé notre transpiration et nos larmes de joie, on viendra vous dire bonjour. Ce soir, au merchandising, il y a un truc nouveau qu'on vend, à part des super écharpes, des super disques, des vinyles que normalement on vend 1000 euros sur la tournée, mais ce soir, ça se vend 25 euros. Et en fait, cette blague, je l'ai piquée à une de nos premières parties. Je trouvais que c'était une super blague. Il a fait qu'une fois la première partie, donc je peux lui piquer à l'aise. On voulait surtout vous dire que ce soir est en vente le bouquin photo de Oli qui a fait toutes les projections ce soir. C'est un super travail, c'est génial. Le bouquin coûte 30 euros, il est magnifique. Un sublime cadeau de Noël. Ou pour vous, si vous voulez vous offrir un cadeau. Ah, c'était vraiment trop beau. Je suis obligé de le faire. Alors, Brian demande à Olivier qu'il lui en mette un de côté. Un. Cruising the summer sun.